Salut, c'est Rock, la voix du rock. Bonjour, c'est Folk, la voix de la Folk. Bon, moi je vous le dis tout de suite, ça y est, j'en ai marre. Oh non, mais commence pas à être négatif comme ça, on est à peine à mi-parcours. Ah non, putain, me dis pas ça, je vais chialer. Ça fait donc 5 semaines que la planète est confinée et c'est vrai que ça commence à être un peu difficile. Dis, les nœuds coulants, le serpent, faut le faire passer combien de fois dans le puits, je me rappelle jamais. Mais il y a quand même de très très belles choses qui se passent durant cette période, notamment le rapprochement des familles, en réel ou même en virtuel d'ailleurs. Bah t'as dit que tu voulais parler de belles choses. Eh ben oui, mais moi j'aime bien ça, la famille. Et pour ouvrir cette nouvelle séquence de confinement, on a décidé de partager les messages de nos répondeurs. On va se régaler. Et on démarre tout de suite avec notre beau-frère. Ah non, pas lui! Oh, mais calme-toi! Donc, notre beau-frère, Jean Blaise, la voix de la variété française. Salut la France qui se lève plus. J'aurais préféré être sur Nostalgie ou Chant de France, mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec toutes les propositions récentes du MEDEF, quoique un petit peu politiquement correctes à mon goût, si ça tenait qu'à moi. Faudrait ouvrir toutes les mines du Pas-de-Calais. Et puis, sur la base du bénévolat, tu veux toucher ton RSA, tu creuses. Alors bon, certes, ce ne serait pas très populaire comme proposition, mais au moins, ça aurait le mérite de trouver un truc à faire à tous ces chômeurs, quoi. Salut les feignasses. Mais quel connard, mais quel connard! Oh, écoute, c'est la famille quand même. Et alors, la famille? Si j'étais cousin avec Pascal Praud, j'aurais quand même envie d'aller lui casser la gueule, hein! On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Ouais, bah je l'enverrais bien sur les trottoirs de Manille ou d'Alger, voir si j'y suis à ce trou du cul! C'était une bonne idée, hein, de commencer par lui. Mais pour remettre un peu de bonne humeur, comme on sait que vous l'adorez tous, on enchaîne avec un message de Jean-Sylvain, la voix des années 80! Aimons-nous vivants. N'attends pas la fin du confinement. Ouais, salut les cousses. Ouais, en fait, je vous fais un petit coup de bigou pour vous dire que tous les soirs, ici même sur mon balcon à 18h, je fais le DJ. Et ouais, alors les gens, mais je vous raconte pas, ils gueulent, ils me jettent des trucs en général, bon, bah, des légumes dans une optique de partage, j'imagine. J'ai même reçu une chaise et ouais, c'est le début de la gloire, le strass du show business. Et en plus, j'ai des rappels tous les soirs à 20h. Et ben ouais, les gens, ils tapent sur des bambous et c'est numéro 1. Et oui! Allez, ciao les coups! Je vous l'avais dit qu'on allait se régaler ou pas? Moi, je trouve cette initiative super, Jean-Sylvain, bravo! Ah, tu dis ça parce que t'es pas son voisin. Ah, alors justement, hein, si ses voisins nous écoutent, arrêtez de lui envoyer des chaises, s'il vous plaît. Les hôpitaux sont déjà bondés, évitons en plus d'y envoyer des traumas crâniens inutiles. Mais ouais, envoyez-lui directement des couteaux, ça termine le travail et on économise des respirateurs comme ça. On rigole, hein, bien sûr. À très bientôt, Jean-Cy, continue de faire ce que tu fais, hein, et fais quand même gaffe à ton petit boule. À facette! Bon, c'est fini la chronique? Ah bah non, pas du tout, hein. Il nous reste un petit message de Jean Toufik, la voix de la pop psychédélique, un cousin qui vit reclus dans une communauté hippie depuis 1974. Ouais, du coup, même par message téléphonique, il devrait quand même y avoir une petite odeur, hein, je vous préviens. Écoute, tu n'es pas gentil. Voilà, je sais pas comment te le dire autrement, tu n'es pas une personne gentille. Alors, je coupe ton micro, hop, et j'envoie le dernier message. Namasté les cousins, c'est le jour tout, ça y est, j'ai une révélation pendant une transe là. Fini le fromage de chèvre, fini l'autarcie, j'ai besoin de voir du monde. Du coup, je viens pioter chez vous quelques semaines histoire de voir Babylone, en espérant que je vous ramène pas des puces de lit. Je pars en stop, donc je serai là en début de soirée quoi. Tout le monde, tchuss. Qu'est-ce que j'aime. Je sais pas s'ils sont au courant de l'épidémie et du confinement dans sa retraite transcendantale, là. Bah évidemment que non, ils chopent encore ces infos chez Yves Mourouzi sur Antenne 2, l'autre. Tant que c'est pas sur BFM. En tout cas, bon courage à tous pour la suite du confinement, prenez soin de vous, et continuez de prendre des nouvelles les uns des autres, ça fait du bien à tout le monde. Par contre, ne vous attendez pas à ce que les gens changent radicalement de personnalité, hein. Quand on est con... On est con. Salut, c'était Rock. Au revoir, c'était Folk.